Voici une situation de jeu où la stratégie est extrêmement importante. Je suis dans une descente. La balle est bien placée, hein. C'est un semi-rough assez dense, la balle est bien portée. Et je joue en direction de ce drapeau. Et vous voyez que derrière le drapeau, il n'y a que 3 mètres, allez, 3 mètres et demi. Et ensuite, le green qui est en surplomb plonge. Et si je suis trop long dans cette direction, je me donne un chip de retour quasiment injouable. Et bien là, la stratégie, c'est de prendre de la marge. N'hésitez pas à jouer beaucoup plus à droite du drapeau. Vous voyez qu'à droite du drapeau, j'ai 7, 8, 9 mètres de green pour pouvoir travailler mon coup. Ceci va vous aider pour deux raisons au moins. La première, je prends de la marge, je me sens en sécurité. La deuxième, c'est quand je joue en court en direction du premier drapeau, j'aurais tendance peut-être à jouer cette balle un tout petit peu trop finement. Et finement, bien souvent en golf, ça se traduit par une décélération. Et en règle générale, de prendre trop de risques finalement ou de se vouloir trop performant vous fait rater votre coup. Ça engendre une faute technique. Si je prends de la marge, je n'ai plus peur, je sais que je peux y aller en accélération, je joue à droite, je mettrai peut-être ma balle à 5 mètres, mais de là où je suis, je ne prendrai jamais plus de 3 coups. Marge à droite, je me sens à l'aise et je joue là-bas. Bon, il y a des défauts, en plus ça donne un super résultat, donc on ne va pas s'en priver. Il n'en est pas moins que je n'ai pas cherché vraiment à jouer le drapeau. J'étais réellement en sécurité, mon coup s'est bien passé de façon très fluide. Et vous voyez qu'en plus, le résultat peut parfois être extrêmement performant. Ça devrait vous aider.